Chaque armée a besoin d'hommes qui ne connaissent que la victoire. Les Kensei, chevaliers saints, gardiens de notre peuple. Tous les grands souverains depuis le cataclysme étaient des Kensei. Absolument tous. Nous surclassons tous les autres. Nos armures sont les plus solides de notre peuple. Notre volonté aussi. J'ai été la dernière libérée parmi les Daimyo. Bonne chasse. Bonne chasse. Apollyon s'attendait à nous voir nous entretuer pour le pouvoir impérial. Elle avait raison. Tous les Daimyo qui avaient réussi son test étaient des criminels de guerre. Nous courions à notre perte. Ou alors... je pouvais prendre les devants. Où Apollyon vous a-t-elle laissé? Ranja était pieuse. Mais rien ne rachète la bassesse. Tu oses profaner cet endroit? Ce n'est pas un Daimyo, Ayu. Je vais vous retrouver. Où vous cachez-vous?
Kizan était cupide. Il nous prendrait... tout. Et plus encore. Posséder ? Jamais ! Troll est à moi, Ayu ! Tu as prouvé ton abjection, Kizan. Attends, Ayu. Tu n'as rien à faire là. Ici. Où êtes-vous passé? Ils sont à nos portes, aux armes! Kizan était cupide. Il nous prendrait tout, et plus encore. Où vous cachez-vous? Sine! J'ai repéré l'ennemi. Dokuja était un couar. Lui qui avait tout reçu. Il n'avait jamais appris la compassion. Approche.
personne ne te suivra. Prête-moi. Attends, quelqu'un par ici. Ennemis, soldat. Je ne te laisserai pas devenir impératrice, Ayu. Tu n'es pas digne de confiance. Je te connais. Je suis le plus apte à régner. Tu le sais. Je dois t'arrêter. J'avais réussi. Notre empereur est mort. C'est l'œuvre de la Légion d'Obsidienne. Apollyon veut nous faire entrer en guerre les uns contre les autres. Je refuse. On nous force à rejoindre une ère nouvelle. Apollyon n'aurait pas dû me laisser en vie. Je m'attendais à ce que la guerre civile dure des années et non des jours. Mais rien n'est plus fédérateur qu'un ennemi commun. Les Vikings n'avaient pas encore échappé au Bourbier. L'Orochi, Ayu et leurs alliés s'élancèrent à leur poursuite. Sur la trace d'Apollyon, j'ai pénétré dans le Bourbier à la recherche d'Ayu. Tiens donc. Tu peux me dire où est passé Ayu ? Ayu, la Daimyo, m'a particulièrement impressionné par son pragmatisme. Mais elle se berce d'illusions sur les motifs. J'espère qu'Ayu est en vie. Je dois suivre le son de ce corps.
faire, Caillou, n'a pas tué tout le monde. Ces Vikings méritent une bonne leçon. Où est votre butin, sauvage ? Viking, vous êtes allé beaucoup trop loin. Il y a beaucoup de Daimyo morts par ici. J'avais une guerre civile à stopper. Comme quoi l'empereur se trompait sur ton compte. Ils ont de la suite dans les idées. En effet. Protège les quais. On se retrouve là. Elle m'a dit protège les quais. C'est si facile. J'espérais rattraper les Vikings avant qu'ils n'emportent leur butin. Ah!
Je hais les Vikings. Des archers. Contre-ordre. Pour l'heure, il y a plus urgent. C'est Juro. Apollyon lui a laissé le palais. Il faudra plus qu'un palais pour nous gouverner. Il est temps de destituer le prétendant au trône impérial. À peine un mois plus tard, Ayu marchait sur le palais impérial à la tête de sa nouvelle armée. Il ne restait plus alors que deux daimyo, elle et Seijuro. Mais le cours de l'histoire était entre les mains de l'Orochi. Le palais impérial. Une forteresse dans une forteresse. Juro, notre peuple saigne. Déposez les armes. Je veux en finir. Prosterne-toi. Seijuro ne comptait pas se rendre. Il avait de puissantes troupes sous ses ordres. Mais nous étions nombreux. Il nous fallait juste une entrée. Je n'étais pas entré dans le palais depuis 3 ans. Depuis ce jour où l'empereur m'avait fait emprisonner. Allez! Mes tigres! Devant moi! C'est grâce à votre force! Aucun de vous ne s'abaisserait! Son armée nous est supérieure en nombre. Elle percera nos défenses. La cité des samouraïs se trouve sur un haut plateau entouré de forts. Seijuro avait avec lui les meilleurs guerriers. Cette force nous serait utile. Nous mourrons en légende. Nous mourrons en samouraï. J'entends les guerriers de Seijuro. Nous mourrons en légende.
L'Empire du Levant s'étend loin vers l'Est. Cette cité n'a pas toujours été leur capitale. Longtemps, leur empereur a vécu ailleurs. L'empereur a des goûts de luxe. Notre armée est de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Il me fallait un moyen d'ouvrir le portail. J'avais un éléphant. Évite de te mettre devant lui. Il faut juste que l'éléphant coopère. Il faut qu'on ouvre ce portail. Aucune chance! Lâchez vos armes! Trouvez ces jurons! Rien ne nous arrêtera! Ces jurons ne doivent pas être loin! Trouvez leur Daimyo! Ils prennent l'avantage! Nous sommes vaincus! Il y avait trop de morts.
Nous devions trouver ces jurons. Le 10e empereur, célèbre pour sa brutalité, l'un des rares qui mérite le respect. Tant de sang avait coulé. Pourtant, nous n'étions pas ennemis. Je vous connais tous. Arrêtez. Comme le plus fort d'entre nous. Ces guerriers ne suivront personne d'autre. Tu sombreras dans l'oubli. Le champion impérial va te vaincre. Le champion impérial moisi dans un cachot, à l'autre bout de la ville. C'est toi, le champion. C'est un traître. Un héros, plutôt. Sejuro était l'un de nos plus grands guerriers. Moi, j'avais passé 3 ans à croupir dans un cachot. Rends-toi, Sejuro. Le destin m'a choisi. À présent, ne t'a pas réussi. Qu'est-ce que vous attendez? Nous avons besoin de commandants. Tu me déshonores. Aide-nous. Tu es un grand guerrier. Je refuse de vous servir. Alors, tue-moi. Prends ma place. Commande nos armées. Tu es fou! Notre ennemi est Apollyon. Pas Sejuro. Je refuse de me battre pour le compte de la Légion. Champion impérial. De nouveau à la tête de nos armées.
Je pars pour Ashfeld. C'est là qu'est notre ennemi. Avant de conduire l'armée d'Ayu en Ashfeld, le champion impérial devait d'abord repérer les lieux et trouver comment parvenir sans encombre à ma forteresse. Mais Ashfeld a bien changé.